Oui. Ah, ok. Et bien salut tout le monde, c'est Podgamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle série. Aujourd'hui on va essayer de trouver des boutons dans Minecraft Pocket Edition 1.2.9 sur une nouvelle map qui s'appelle Find the Buttons, donc dans l'édition des pièces. Donc c'est parti, on va commencer ça tout de suite. Ok les amis, c'est parti, on se retrouve dans le hub du début tout simplement avec un beau petit tableau, des bons trucs. On a le créateur qui se trouve ici, donc MattH44. On peut trouver la map, donc je vous mettrai le lien de la map en description sur ncpedl.com tout simplement. Donc les règles, donc jouer en survival, donc nous sommes déjà en survival, ne pas casser de blocs et ayez du plaisir à jouer tout simplement. Donc là on peut commencer, on va juste comment jouer tout simplement. Donc votre but est de d'essayer de trouver le bouton caché dans chaque niveau. Il y a 10 niveaux qui sont basés sur des pièces dans la maison. Et donc il y a aussi un hint book, donc qui est juste au-dessus. Si, ah, ok, donc il y a un bouquin qui va nous permettre, un bouquin indice tout simplement, qui va nous permettre de chercher les boutons si on n'arrive pas à les trouver. Et du coup, on va appuyer sur ce bouton, c'est parti. Ok, les amis, niveau 1, ça va être parti. On va essayer de chercher le bouton. Alors, ici, ok, on peut passer ici aussi. On va essayer de. Non, on va essayer de faire un peu toutes sortes. Je ne sais pas si on peut manger les gâteaux, non. Ok, donc ça c'est une pièce qui va servir à pas grand chose. Ok. Bon, ça va être un peu compliqué. J'espère qu'on va les trouver directement. Les boutons, on va essayer de chercher aux bons endroits. Je ne sais pas si c'est. Ok. Ok, non, ça c'est juste la plaque de pression. Ok. Ok, ça c'est un four. Bon, on va essayer de trouver, hein. Ok, il m'a l'air d'y avoir rien ici. Donc si c'est la plaque de pression, on marche. Donc ici on a le gâteau. Il faut essayer de regarder un peu partout. Il a l'air d'y avoir rien. Bon, les amis, ça fait quelques temps que j'essaie de le trouver. Je ne le trouve pas. Oui. Ah, ok, ok, d'accord, ça m'était... Ok, niveau 2, ça va être parti. C'était facile à trouver quand même. Là, il y a beaucoup de panneaux. Ah, ok, j'ai déjà un panneau dans les mains, comment ça se fait? Ok, d'accord. Petit bug. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas casser les panneaux quand on clique. Là, il faut essayer de le trouver. Ça me semble être quelque part ici. On va essayer de monter ici. Sur ça, non. Bonne question, on va essayer de le trouver. Bon, j'ai inspecté tous les coins. On va essayer de trouver. Là, il y a du feu. Ah ben, attendez. Je ne le vois pas ici. J'ai essayé tous les panneaux. Donc ça c'est des leviers qui servent juste à faire la TV. Ici je n'ai rien vu. Ah ah ah. Ah ok ok, j'avais pas vu. Il est là. J'avais pas vu, il était là avec le renfoncement. Niveau 3. Je ne sais pas si on va réussir à terminer la map. Je ne sais pas. On verra bien. On va essayer d'inspecter tous les endroits possibles pour trouver les boutons. Là ok, ça se soulève. Ok, aucun bouton nulle part, sûrement ici dans l'eau, peut-être, non, y a pas l'air d'y avoir, non plus, on va surveiller ici, il y a une trappe, là y a pas de bouton, non, aucun bouton ici, et ici sur le côté, non plus, donc, où est-ce que pourrait bien être un bouton comme celui-ci? Alors attendez, on va essayer de procéder. On va faire chaque coin de la pièce. On va essayer de le trouver. Donc là, il y a des vitres pour faire le miroir. Donc ça, c'est les éviers. Donc ici, il m'a l'air de rien y avoir. On va quand même essayer d'un peu cliquer partout pour essayer de trouver. Mais ok. Ici, ça a l'air de rien. Ok. Donc là, il n'y a pas de bouton. C'est juste la toilette. Donc ça, on peut l'ouvrir justement. Voilà. Hop, et on peut refermer. Ici, on a des serviettes. Alors, on va essayer de se mettre sur la toilette. Ici, pour voir ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, il n'y a rien. Ok. Ici, c'est la douche, tout simplement. Le bain et la douche. Par contre, ici, je ne vois aucun bouton. Tout ce que je vois, c'est le levier, ici. Ok. Et là, juste à côté, c'est la douche. Et il y a...
ici. Ok, une trappe avec des égouts, on va dire ça. Et ici, il y a rien du tout. Donc, ok, regardez où il est. Regardez où il est, le bouton, juste ici. Parfait, niveau 4. Donc, ça m'a l'air d'être dans une bibliothèque, il y a pas mal de recoins. Donc ça va être assez compliqué pour trouver un bouton. Il y a ma carte. Ici, on va regarder sur tous les derrière de pancarte pour voir s'il y a quelque chose. Bon, le minecart, ok, il est là. On a des lits. Est-ce qu'on a peut-être un bouton derrière chaque pancarte ici? Non. On a un lit vert. Ah, regardez, regardez-moi ça. Il y a un petit trou ici. Il est là, juste là. Ok, parfait. Pour le moment, on s'en sort plutôt pas mal. Nous sommes au niveau 5. Ok, niveau 5, ça a l'air d'être une plus grande bibliothèque, tout simplement. Ici, il y a un coffre. On va déposer ça. Je ne sais pas où je l'ai eu. En tout cas, il y a deux coffres. Ah, et ben ça a été plutôt rapide. J'ai bugué pendant un moment. La Red Bull, elle est ici. Bon, ben pour le moment, on s'en sort plutôt bien. Niveau 6, hein, on va tout de suite enchaîner. Alors, d'ici, derrière, il n'y a rien. Donc, on commence à trouver pas mal de techniques pour les boutons, pour trouver les boutons tout simplement. Alors, ok, ici en dessous, il n'y a rien. Il y a encore des pancartes juste ici. Il m'a l'air d'avoir rien du tout. C'est parfait. Donc, les pancartes, c'est bon. Ici, où est-ce qu'il pourrait avoir un bouton dans cet endroit? Ça doit être sûrement, ouais, dans ce. Ok, près des chaises, comme celle-ci. Dans un petit trou, sûrement, comme tout à l'heure. Alors, vas-y, faut essayer d'aller le trouver, hein, ce bouton. On va essayer de chercher partout. Ok. Alors, peut-être ici au-dessus. On n'a pas vérifié sur le côté, non. Où est-ce qu'on pourrait être? C'est une bonne question. Ok, les amis, on va continuer. Alors, on va essayer de... Comme j'ai fait le tour de toute la table, et il me semble qu'il n'y a pas de trou nulle part en dessous des chaises, ni ici. Du coup, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est inspecter ça, même si j'ai déjà inspecté ceci. Hop, donc il n'y a rien ici. Et derrière non plus, donc il reste plus que les panneaux. Mais à mon avis, les panneaux, ça ne va rien donner, vu que tout à l'heure... Ok, donc là, il n'y a rien. Vu que tout à l'heure, on avait observé les panneaux. Et ça va rien donner. Du coup, on va tester. Comme ceci. Ouais. Ouh, ok, ok. Oh, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, ok. On a trouvé le bouton. Donc, nous sommes dans une autre chambre. Ça doit être une chambre à coucher, bien évidemment. Ici, on va retester pour voir s'il y a encore quelque chose. Vu que maintenant, on connaît cette histoire de panneau. Alors, en dessous de la table, ici, il n'y a rien. Donc ici, il n'y a rien non plus sur le fauteuil. Donc tous les blocs ont été exploités, ça j'aime bien, ça c'est vraiment, vraiment sympathique le décor. Donc il n'y a rien derrière le panneau. Ici il n'y a rien d'avoir rien du tout. Donc ça c'est plutôt bien. Ok, ici un commande bloc, ok. Bon c'est un peu cramé, il y avait un commande bloc, je me dis tout est bien. On a trouvé le bouton niveau 8, c'est parfait. Ok, donc là la pièce est très petite, on va essayer de s'en sortir. Par contre là, ok, là ça a l'air très petit. Du coup, bah, y a peut-être moyen de trouver facilement, quoique ça peut être très très dur. Donc là, pour le moment, il n'y a rien. J'ai vu qu'il y avait une porte ici, on va y aller. Hop, ok. Ok, c'est quand même assez grand. Ok, donc là, il n'y a rien, on peut être sûr. Donc, il y a des coffres. Peut-être que les coffres... Non, ok. Et les fours... Les fours, table d'enchantement, non plus... Ok, ok, voilà, évidemment, c'était encore dans un four, je me doutais bien de ceci. Ok, niveau 9, c'est plutôt parfait. Alors, on va essayer de chercher, donc on est encore dans une chambre tout à fait classique. Où est-ce que pourrait être, par exemple? Ok, donc là, il y a sûrement un truc derrière. Non, même pas, ok, d'accord. Là, ça va être un peu plus compliqué. Alors... On va essayer de faire ça méthodiquement. Du coup, on va déjà inspecter les panneaux. Voilà. Donc, pour le moment, on n'a pas eu trop besoin du livre. Enfin, même pas du tout besoin du livre. On a essayé, on a géré complètement. Alors. Ah, bah voilà, voilà. Ok, tranquillement.
juste en sautant, je trouve le bouton. S'il y a aucun souci, nous avançons bien par contre. Donc là, il y a une porte. Ok. Ok, donc là, nous sommes dans le foyer. Dans le foyer, tout simplement. Bon, il y a l'air d'avoir rien du tout là pour le moment. On va essayer de sauter pour voir si jamais on s'est traversé. Non, là non plus, on sait rien faire. Ok, d'accord. On va quand même essayer. Non, on sait. Oh oh! Aussi, oh, eh ben ok, d'accord, ok. Voilà, fini. Ok, parfait, on a trouvé le bouton dès la fin. Donc, thanks for playing my map. Merci d'avoir joué sur ma map. Des commentaires, des suggestions, faites-moi savoir. Ok, donc ça a trouvé ça sur MCPEDL. Je vous mettrai le lien de la map en description si jamais vous voulez aller la télécharger. Creator, mat. Hop, et ici, on a encore la même chose. Et c'est parfait, les amis, on a terminé la petite map. En tout cas, j'espère que ces maps vous plaisent. Que si jamais, dites-moi si jamais vous avez aimé ce style de vidéo dans les commentaires. Si jamais vous voulez d'autres maps de ce genre dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était iPod Gamer 172. Allez, bye tout le monde. Ciao.